Halleluja. Herzlichen Dank. Thank you very much. Das ist großartig und ich freue mich auf die nächsten voilà, Tage, nous sommes de retour. J'espère que vous avez pris vos casques maintenant. Alors que la chorale se reprend ses places, encore une information pratique. Der Hotel zum Ibis Spandau, das, der Bus zum Hotel Ibis Spandau. Alors, est-ce que ça vous concerne? Je ne sais pas, mais je vais toujours traduire. C'est un bus pour l'hôtel Ibis à Spandau. Elle a à 10h. Ce qui veut dire que si vous ratez cela, eh bien, vous devez vous débrouiller avec le métro. Maintenant, j'ai le privilège de saluer un frère. Wie soll ich sagen, bei all der Arbeit noch eine Gemeinde hat, ein Pastor ist. Qui avec tout le travail qu'il a, est encore dans le ministère pastoral. Der eine hervorragende Arbeit tut, wenn es Bewegungs qui fait un travail absolument incroyable lorsqu'il s'agit de, d'intégrer, de relier les mouvements ensemble. Et dans ce don qu'il a, il préside en fait tout le mouvement pentecôtiste allemand. Und auch gleichzeitig der europäische Leiter. Alors en même temps, c'est le président du mouvement européen. C'est un homme qui a une vision pour l'Allemagne. Aber der hat nicht nur eine Vision hat, sondern auch ein Herz für Mais il n'a pas seulement une vision, il a un cœur pour les perdus en Europe. Und bei allem sein Blick nicht begrenzt bleibt. Et dans toute cette vision, il n'est pas limité. Und nicht nur über Europa spricht, il ne parle pas seulement de l'Europe, sondern Vereinigung Europas geistlich lebt. Et il vit réellement ou spirituellement cette unité ganz herzlich willkommen dans la vision pour l'Europe. Donc, c'est aussi lui qui avait la vision pour toute cette conférence. Ingolf, wir lieben c'est dich und schätzen dich. Ingolf Elsel, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous t'apprécions, nous te considérons. Voilà, c'est lui, le patron, si on peut dire. Und Siegfried hat eins vergessen. Siegfried, donc c'était Tomaszewski, c'est lui qui a été eu la parole auparavant. Tu as oublié quelque chose. Alors que nous avons salué le Saint-Esprit, tu as oublié de dire que je suis un homme, enfin, un être humain, qui veut saluer Jésus-Christ. Et cela avec tous ceux qui sont là. Je vous invite encore une fois à vous lever. Et encore une fois, levez vos mains et vos voix. Et nous voulons louer Jésus. Nous voulons louer Jésus. Alléluia. Jesus, wir ehren dich.
Seigneur Jésus, nous voulons t'honorer. C'est en ton nom que nous sommes rassemblés ici pour nous rappeler tes paroles, pour chercher ta puissance, pour lever l'obéissance de la foi et pour mettre en pratique. Merci pour ta venue sur terre. Merci pour toute orientation et tout salut que tu nous as donné. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Nous ne sommes pas sans conseil. Nous savons que tu nous conduis. Nous te remercions pour ce privilège. Et nous voulons aussi lire ta parole. Et nous te prions, Seigneur, de l'investir par ta puissance. Et nous disons tous ensemble Amen. Voilà, le message va commencer maintenant. Jésus s'approcha et dit à ses disciples, « C'est à moi qu'est donnée toute puissance dans les cieux et sur la terre. Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Ça, c'est des paroles de Jésus à des gens qui croient en lui. Et ce ne sont pas des paroles pour des gens qui méprisent le Seigneur. Ce sont des paroles pour des gens qui sont venus qui ont part en lui. Ils ont la vision de ce que Jésus veut pour eux. Le Seigneur veut finalement avoir un vis-à-vis dans une humanité rachetée. Il aime le monde qu'il a créé et il veut être ensemble avec eux pour toujours. Et Jésus est animé de cette vision pendant le temps de son ministère terrestre jusqu'à sa mort à la croix et même au moment de l'ascension, alors qu'il est sur le trône et qu'il règne, et que ce trône porte le nom de trône de grâce, parce qu'il y a la grâce pour tous les gens. Et il veut gagner tout le monde pour l'éternité. Et il veut les gagner pour son royaume qui n'a pas de fin. Et dans toute cette masse de gens que Jésus a déjà gagnés, et au travers de tout cela, sa passion pour chaque âme qui est sauvée n'a jamais diminué. Nous, les gens, nous nous habituons aux choses extraordinaires. Mais le ciel ne s'habitue pas lorsque un pécheur trouve la repentance. Jusqu'à aujourd'hui, tous les anges du ciel se réjouissent lorsque un pécheur se repent. C'est extraordinaire. Et cette joie céleste est déclenchée par des gens terrestres qui ont compris ce que Jésus voulait dire par cet ordre missionnaire que nous avons lu tout à l'heure. Jésus commence par ces paroles et cette déclaration extraordinaire, donc la fin de Matthieu 28. Il m'a été donné toute puissance, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.
L'extension du royaume de Dieu n'est pas une affaire d'organisation humaine. Ce n'est pas une question de talent particulier ou de stratégie spéciale. C'est tout simplement la question, est-ce qu'une simple personne peut vivre sous la puissance et l'onction du Saint-Esprit ? Et que cette puissance salvatrice puisse passer au travers de la personne vers les autres. Ainsi, vous devez vous imaginer, Jésus était seul. Il avait 12 personnes relativement simples autour de lui. Ces 12 se sentaient misérables lorsqu'ils ont entendu cette vision. Peut-être vous vous sentez aussi comme ça lorsque vous entendez des buts, des objectifs très élevés qui vous semblent tout à fait irréalisables ou inatteignables. Et c'est dans ce manque de puissance, cette faiblesse que Jésus prononce ces paroles, « Il m'a été donné toute puissance dans le ciel et sur la terre ». Toute puissance, tout pouvoir. Oui, véritablement, toute puissance. Les chrétiens doivent ouvrir leur cœur afin que cette phrase, ce verset ne soit pas un conte, mais que cela vienne d'un cœur et d'une bouche qui ne dit pas de mensonge. Jésus est le seul chemin. Il est le chemin et la vérité. Il n'a jamais menti. Sa phrase ou son verset a cours. Il m'a été donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toute puissance. Nous aussi, nous nous sentons parfois faibles. Et j'ai remarqué que c'est finalement l'esprit de ce temps qui essaye d'arrêter les chrétiens par rapport à leur vision sur cet ordre missionnaire. Ainsi, dans nos locaux d'église, nous nous sentons parfois isolés et nous avons l'impression d'être un peu isolés. Que ce ne soit l'occasion que d'adorer le Seigneur dans les locaux de l'Église. Mais alors, lorsque nous sortons pour aller au travail, etc., nous avons l'impression de devoir être normal à nouveau. Mais qu'est-ce que ça veut dire être normal? Est-ce que ce n'est pas normal pour le chrétien de faire ce que Jésus nous demande de faire? Qui est-ce qui détermine notre comportement? Est-ce que l'influence de ce monde, est-ce que sa mentalité nous influence à ce point? C'est lui qui détermine? Ou est-ce que c'est la parole de Jésus qui nous détermine et qui nous influence? Nous vous avons invité à cette conférence pour mettre cet ordre missionnaire en pratique. Car dans le préambule ou dans la préparation, j'ai partagé la vision et une phrase au travers d'une parabole, c'est la vie de Jonas. Et la Bible dit qu'il a entendu la voix de Dieu. Alors, ça, c'est extraordinaire. Avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur parle et on écoute. Et c'est ce que Jonas a fait.
Et il entend cet ordre, va à Ninive. Et dis-leur que sa méchanceté a atteint les cieux. Nous savons, par la vie de Jonas, que son ministère était très béni en Israël. Alors, il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont des ministères bénis dans leur église. Ils entendent parler de Dieu et ils donnent, ils servent. Et ils exercent un ministère envers les frères et sœurs. Mais voilà que la voix de Dieu retentit à nouveau et donne une autre orientation. Ça veut dire, en fait, sort de l'Église. La parole de Jésus veut finalement casser l'isolement. Mais Dieu ne change pas dans ses plans. Bien sûr que Dieu aime l'Église locale, certainement. Dieu aime tout le monde. Et il va envoyer Jonas vers une ville qui est manifestement très mauvaise. Cette ville était grande et mauvaise. C'était le centre ou la capitale de l'Empire assyrien 700 avant Jésus-Christ. Aucune ville ne menait des guerres plus cruelles. Aucune ville, aucun peuple n'avait un comportement pareil avec les prisonniers de guerre. Ils sacrifiaient leurs enfants à leur divinité de prospérité. Mais alors, lorsqu'il entend que Dieu veut l'envoyer dans cette ville, alors il est totalement bloqué. Il a peur pour sa vie. Il entend Dieu. Il a souvent servi le Seigneur. Mais l'appel de sortir de l'Église l'a conduit sur le terrain où il a eu peur des gens. Je crois que la peur des gens est quelque chose de normal. Mais la Bible donne à la crainte des hommes un mauvais résultat. Car la crainte des hommes conduit à la chute. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Jonas. Il s'est éloigné de Dieu. Il avait un mandat. Mais Dieu ne lui avait pas dit qui allait payer la mission. Alors il s'est éloigné du Seigneur. Et puis il a été dans une agence de voyage dernière minute. Et il avait juste assez d'argent pour un petit voyage de vacances. Donc il se sentait tellement épuisé dans son ministère et dans son église. Et justement là, il se met en fuite. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Finalement, quand il arrive au travers de beaucoup de détours à Ninive, il n'est quand même pas très motivé. Mais apprends de Jonas. Tu peux aussi servir Dieu avec peu de motivation. Lorsque Dieu a donné son appel,
steht Gott hinter seinem Ruf und hinter Alors, seinem Wort. Dieu est derrière son appel et derrière sa parole. Il peut agir au travers de beaucoup ou de peu, au travers de gens simples, au travers de gens très intelligents. L'important, c'est sa puissance derrière sa parole. Jonas était étonné du résultat. Pendant trois jours, il a parcouru la ville et il a demandé aux gens de changer d'optique car le jugement était en route. N'est-il pas un Seigneur puissant et merveilleux qui nous avertit de la chute? C'est un témoignage d'amour. En fait, c'est de l'indifférence si on ne donne pas l'avertissement. Lorsqu'une maison brûle en Allemagne, ou si une jeune fille est violée dans un sous-bois et tu ne dis rien, alors tu es co-responsable. Tu es coupable, voilà. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr. Je vous dis simplement des gros titres des journaux. Lorsque les gens sont témoins d'une action ignoble et ne font rien, alors ça ne va pas. Donc, que tu sois motivé ou pas, il faut aider. Que tu informes les autres que la maison brûle, ou que tu es très motivé par le travail, ou alors tu n'es pas motivé parce que tu as autre chose à faire. L'important, c'est que le boulot soit fait. Nous savons qu'un jugement est en route. Nous savons cela à cause de l'Écriture sainte. Aucun livre n'a autant de preuves dans l'histoire que la Bible, car c'est le livre de la vérité, c'est le manuel pour le cœur humain, c'est la lettre d'amour du Père, et tous ceux qui savent cela ont une responsabilité, qu'ils craignent ou qu'ils ne craignent pas. Vas-y, fais-le. Laisse-toi envoyer. Allez. Non pas venez, mais il a dit allez. Si Jonas, impressionnait les gens et que toute la nation revient aux valeurs de Dieu, alors imaginez-vous le potentiel dans cette salle. Si les actes nous rapporte que le Seigneur parlait à ses disciples, ce n'était pas un message rapporté sur une estrade et que tout le monde écoutait, mais la plupart du temps nous trouvons le mot grec « dialogos » qui veut dire en fait « dialogue ». Ils parlaient les uns avec les autres, un à un. L'un parle avec l'autre. Et c'est exactement ça l'ordre missionnaire. Allez. Nous savons bien sûr la grâce. Nous connaissons également le jugement. Nous savons ce qu'est le ciel. Nous savons également quelque chose de l'enfer. Et personne ne peut dire les choses
berichten wird, was er nach seinem Tod gesehen hat. Peut dire les choses d'une manière plus concrète et actuelle que le pasteur Daniel, qui était mort plusieurs jours et qui est ressuscité. Il sera présent au stade donc prochainement pour donner ce témoignage. Comme si je voyais toute la ville brûler. Mais nous pouvons encore sortir les gens de leur du jugement à venir. Nous pouvons encore sauver. C'est la simple parole du Seigneur qui fait changer les gens d'avis, de comportement, donc qui veut les conduire à la repentance. Lorsque Noé a entendu que Dieu allait envoyer son jugement, alors Dieu a également communiqué un plan de salut. Il savait deux choses. Premièrement, la venue du jugement, mais il savait aussi comment on pouvait échapper. Et c'est pour cela qu'il a investi. Ça, c'est le Seigneur. Il donne l'ordre, mais il ne donne pas l'argent pour l'exécuter. Mais alors qu'il entre par la foi dans l'œuvre préparée, le Seigneur invisible a fait réussir la chose. C'est un bon investissement. Lorsque les gens investissent dans les projets et les buts du Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Jésus sur le trône quelques instants, lorsqu'il nous regarde? Qu'est-ce que ça déclenche chez lui? Je suis sûr qu'il est heureux. Parce que c'est une joie, car il sait ce qui est possible. Et je bénis Seigneur de ce qu'il nous a rendu obéissants pour venir ici. Personne ne vous a forcé. Personne ne sera puni parce qu'il n'a pas eu envie de venir. Mais je vois que, et je remarque que des chrétiens ne veulent pas seulement être des consommateurs, mais ils veulent être participants, ils veulent être acteurs de l'expansion de l'Évangile. Amen. C'est ça qu'ils veulent. Et maintenant, j'aimerais arriver à ma conclusion. Ce que nous faisons ici à Berlin, c'est en fait un préambule, c'est une entrée en matière. Nous avons d'autres pas à faire. Et je me réjouis de demain après-midi où des milliers vont partir en ville. Et je peux vous dire que les Berlinois sont ouverts à la discussion. Et je crois que le Saint-Esprit conduira toutes les personnes qui vont l'écouter. Le Seigneur va les conduire vers des personnes qui seront dans la détresse. Ce serait si bien que quelqu'un Christ gestern zu Möllemann gegangen wäre, bevor sich das Leben genommen hat. Ça aurait été tellement bien qu'un chrétien se soit approché de Möllemann avant qu'il ne se suicide. Donc c'est le suicide aujourd'hui midi. C'est un homme qui s'est suicidé en fait en sautant du parachute. En fait, il a sauté de l'avion avec son parachute, mais il a lâché le parachute, il a choisi de se suicider. Quel fardeau devait être sur le cœur de cet homme? Quelle impuissance!
Aber wir hätten eine rettende Botschaft für ihn gehabt. Mais nous aurions pu avoir un message salutaire pour lui. Tu peux recommencer, pas avec ta force à toi, mais avec la force de Dieu, d'après son conseil. Mes amis, croyez-moi, il y a bien du monde ici à Berlin. Ils cherchent Dieu. Oui, ils cherchent Dieu. Il y a une chanson connue en Allemagne. Marlon, c'est un ado de 15 ans. Il dit, « Cher Seigneur, montre-toi à moi. J'aimerais tellement croire en toi. Seigneur, montre-toi. Je voudrais tellement croire en toi. » Et ses amis sont derrière lui. Et puis il y a Udo Lindenberg. Et il chante les mêmes paroles. Le Seigneur, montre-toi à moi. Je voudrais tellement croire en toi. Et Peter Maffay était à côté. Seigneur, montre-toi à moi. Je voudrais tellement croire en toi. Voilà la prière qui se trouve dans le cœur et dans l'âme de bien du monde. Et nous sommes la réponse à leur prière. Nous avons accepté le Seigneur. Et il habite en nous par son esprit. Il vit en nous par son esprit. Et nous pouvons répandre ce message. Et je suis actuellement donc à côté d'autres responsables. Ils sont motivés, je peux vous dire, jusqu'au fond de leurs cheveux. Enfin, ils sont motivés de part en part. Et lorsque cette conférence va se rendre dans une autre ville, vous allez remarquer que ce n'est qu'une première approche de ce qui va se faire. Et nous allons être motivés pour aller dans d'autres villes. Et nous allons louer des grandes stades, des salles. Et nous allons le matin nous laisser équiper par le Seigneur. Et nous allons l'après-midi rencontrer les gens et nous invitons. Et de ville en ville. Car les chrétiens veulent faire quelque chose pour Dieu. Ils veulent aller à la rencontre des gens en recherche pour leur donner une réponse. Alors nous allons donc aller au travers de l'Europe, un pays après l'autre, par les moyens ou avec l'aide des moyens que les gens nous donneront. Ce seront des gens qui ne s'amassent pas des trésors sur cette terre. Des valeurs terrestres qui seront mangées par la rouille et détruites par la teigne. Mais ils vont chercher le royaume de Dieu en toute première priorité. Ils sont prêts à mettre le prix. Et bien sûr que cela nous coûte de la transpiration, du travail. Mais nous avons dans notre regard le Seigneur. Son ministère lui a coûté sa vie. Bien sûr, peut-on parler d'un sacrifice? Non, même pas. C'est en retour une reconnaissance de notre part pour ce que Jésus a fait. Et je voudrais vous encourager d'investir pour cette cause. Nous avons besoin de vous. Et nous faisons confiance à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.
Dankeschön, Ingolf. Thank you, Ingolf. Wir sind heute voilà. Abend sehr viele Menschen, die haben merci donc au frère Ingolf, Elsel. Il y a bien sûr ce soir énormément de personnes qui ont fait du bénévolat, qui ont fait beaucoup. Wir sind heute Abend viele Menschen, die haben ihr Äußerstes gegeben und gespart, um hier dabei zu sein. Il y a des gens qui ont. Let's give them a big hand. Lasst uns ihnen einen Applaus geben. Et voilà, nous reprenons. Nous applaudissons la chorale. Halleluja. Ich war vor zwei Tagen noch in Großbritannien. Il y a deux jours, j'étais en Angleterre. Et là, j'ai entendu une phrase. Que je voudrais vous redonner. Quelqu'un a dit,
der nicht vorgestellt werden muss. Un homme qu'on n'a pas besoin de présenter mérite d'être présenté. J'aimerais donc parler d'un homme qui, depuis des décennies, est en route avec une passion, la passion de Jésus pour les perdus, sans se fatiguer. Au travers de sommets, au travers de vallées, toujours attaché au but. Toujours en route pour un but. Son but, c'est qu'aucune personne qu'il rencontre n'aille à la perdition. Qui rend témoignage, que ce soit chez le coiffeur ou dans le métro, ou qui parle ou s'adresse à des millions de personnes à la fois. Lorsque je vais en Afrique et que j'arrive à l'aéroport ou dans un hôtel quelconque, je me rends compte que cet homme est connu pour une seule raison. Connu parce qu'il a toujours une main étendue. Cette main, n'est jamais pointée vers lui-même, mais toujours vers Jésus. Il pointe Jésus. Et je me réjouis de ce que cet homme est à Berlin, en Allemagne, ce soir, pour étendre sa main avec nous vers une génération qui meurt. Il y a une espérance pour Berlin, pour l'Allemagne et pour l'Europe, en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Nous voulons le saluer, Reinhard Bonnke. Et il va commencer avec un court reportage vidéo. Et Reinhard Bonnke. Et ensuite, il prendra lui-même la parole. Nous voulons vous emmener pendant 3 minutes en Afrique pour vous montrer quelque chose, de quelque chose qui est possible en Afrique. C'est aussi possible en Europe et chez nous. Est-ce que nous croyons pour l'Allemagne? Est-ce que nous croyons pour l'Europe? Je vous laisse regarder la vidéo, tout simplement. Yeah.
Halleluja. 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 Kommt, wir applaudieren mal für Jesus. Let's applaud for Jesus now. Nous voulons Halleluja. Applaudir le Seigneur. Halleluja. Reins und Dank sei dem Herrn. We praise your name, Lord Jesus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gelobt sei der Name des Herrn. Blessed be the name of the Lord. Que le nom du Seigneur soit loué. Halleluja. Halleluja. Jesus ist Herr über Deutschland. Le Seigneur Jésus est Seigneur sur l'Allemagne. Jésus est Seigneur sur l'Europe. You may be seated. Et c'est une joie pour moi d'être ici avec mon épouse et bien sûr toute l'équipe, bien sûr, presque toute l'équipe. Bien sûr que notre cœur brûle pour Berlin, notre cœur bat pour l'Allemagne. Dieu n'oublie aucun de ses champs. Aucun fermier ne serait aussi bête de simplement mettre passer la charrue dans son champ, de semer, de prendre soin, rien que pour qu'à la fin, finalement oublier la moisson. Dieu n'a pas oublié l'Allemagne. L'Allemagne doit être sauvée. L'Europe doit être sauvée. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Mon cœur a été touché lors de la prédication d'Ingolf. La vision. Et c'est ça qui m'a touché, en fait, lorsque j'étais... Il y a des jeux de mots qui commencent. Il y a, en fait, des gens qui portent une vision, il y a des gens qui, finalement, aussi portent des cadavres. Il y a des porteurs de toutes sortes. Je me suis un porteur de vision. Je suis un porteur de l'ordre missionnaire. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen? Je me sens ici comme en Afrique. Vous êtes fantastique. Alléluia! De ma part, j'aimerais également partager quelques mots sur le salut de l'Allemagne et le salut de l'Europe, sur l'ordre missionnaire. Cela est fort sur mon cœur, car ce soir encore, j'ai quelque chose à cœur. Que cela soit une soirée de feu pour chaque personne qui est ici présent. Jésus est là. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et si tu ne l'as pas encore vécu, tu le vivras ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Preis dem Herrn. Praise the Lord. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. So, Markus 16, Vers 15. Regardons maintenant dans Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront
ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, l'allemand traduit aux gens fatigués, aux gens faibles, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez l'Évangile à chaque personne. Chaque fois que je lis ça, je suis touché, je suis saisi. Bien sûr, il est évident que je connais ces textes par cœur depuis longtemps. Mais à chaque fois, je suis touché. Jésus dit, allez par tout le monde. Et quelque part, j'ai comme l'impression qu'il veut nous pousser. Allez-y, allez. Allez par toutes les nations et annoncez l'Évangile à chacun. Il y a ici une urgence qui est communiquée. Jésus déclare l'état d'urgence et il essaye de mettre en route ses enfants. Allez par tout le monde. Prêchez l'Évangile à toute créature. Entre-temps, je sais pourquoi l'urgence est telle. Le Seigneur m'a montré quelque chose dans sa parole que je n'ai jamais remarqué précédemment. Et par ailleurs, j'aimerais vous parler de la relation de travail entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Comment est-ce que ça va ensemble? Comment est-ce que ça travaille ensemble, le Saint-Esprit et la parole de Dieu? C'est très important si nous parlons d'évangélisation. Et la réponse à cette question, je l'ai eue en lisant la Genèse au chapitre 1. Et tout de suite au début, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Retournons au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ce que Dieu a créé était bon, bon, très bon. Et au verset 2, nous lisons sur ce chaos, ces ténèbres.
le vide, l'abîme. Entre le verset 1 et le verset 2 a probablement eu lieu la chute de Satan, la chute de Lucifer. Mais au verset 2, nous lisons, et là je vais arriver à ce point, au point, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'est pas dit combien de temps il se mouvait. Un an, 1000 ans, 1 million d'années, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais une chose, je sais, peu importe le temps que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, rien ne se passait. Absolument rien ne se passait. Il se mouvait et se mouvait. Rien ne se passait. Jusqu'au verset 3. Au verset 3, il est dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est là que la lumière fut aussi chez moi. Et je comprenais. Le Saint-Esprit se mouvait et se mouvait et se mouvait. Pourquoi? Il attendait la parole de Dieu. Sans la parole, il ne pouvait faire quelque chose. Sans la parole de Dieu, il ne pouvait rien faire. Tout à coup, la parole est arrivée. Elle est arrivée. Clairement, que la lumière soit. Dans la fraction d'une seconde, le Saint-Esprit a commencé à agir et la lumière est arrivée. Et la lumière est arrivée. Et maintenant, je veux connecter les deux choses. Pourquoi est-ce que Jésus a dit « Allez, allez, allez dans le monde » Prêchez l'Évangile. Parlez la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Amen. Le Saint-Esprit attend que tu dises la parole de Dieu et c'est à ce moment-là qu'il va agir. Amen. Le Saint-Esprit attend. Il m'attend, moi, et il t'attend, toi. Prononce la parole. La semaine passée, j'étais dans un studio de télévision en République tchèque. Et en face de moi, il y avait une dame du Japon. Je ne sais pas à quelle religion elle était affiliée. Mais
et j'étais en train d'annoncer la parole de Dieu. Il s'agissait d'un certain film. Et elle écoutait. Et à un moment donné, elle m'a dit, chaque fois que vous parlez, je sens quelque chose ici à l'intérieur. Alors je lui dis, mais ça, c'est le Saint-Esprit. Alors elle m'a dit à l'oreille, à la pause tout à l'heure, j'aimerais prier avec vous. Donc je lui ai dit ça, et elle disait, ce serait magnifique. Et à la récréation, en fait, plutôt à la pause, j'ai pu la conduire au Seigneur. Et elle a versé des larmes de repentance. Et je savais que le Saint-Esprit était à l'œuvre à ce moment. Saint-Esprit voulait confirmer la parole. Le Saint-Esprit nous attend ici à Berlin. Il attend sur toi, sur les coins de la rue. Et il attend sur toi à la gare, peut-être dans un bistrot quelque part. Allez, 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 au nom de Jésus. Cela brûle sur mon cœur nuit et jour. Je veux gagner des gens pour Dieu. Je veux gagner des gens pour Jésus. Nous étions en train de conduire dans un bus avec une équipe de pasteurs. Et quelqu'un est venu. C'est vraiment ennuyeux. Qui peut me dire un but, une raison pour laquelle Jésus est mort? Et l'un donnait une raison, un autre pasteur donnait cinq raisons. Et le cinquième pasteur donnait une raison. Puis c'était à mon tour. C'est moi qui ai le plus de raisons. Qu'est-ce que tu veux dire? Je connais 6 milliards de raisons pour lesquelles Jésus est mort. Chaque personne est une raison. Lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il a crié, tout est accompli, il a pensé à toi et à moi. Allez, prêchez l'Évangile à toutes les personnes, à tout le monde, à chacun. Des âmes pour Jésus. Des âmes pour Jésus. On me demande souvent comment est-ce qu'on attrape une passion pour l'Évangile. Mais il n'y a pas de technique. Mais je sens la passion, le feu en moi. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et j'ai appris une chose. Si le Saint-Esprit réussit, si le Saint-Esprit pouvait prendre un peu quelque chose de ce qui était en Jésus lorsqu'il était sur la croix et nous le mettre dans notre cœur, alors notre cœur se met à brûler. Alors tu commences à pleurer pour les inconvertis. Alors aucun prix n'est trop élevé. Car quel prix
à payer Jésus. Nous, en Allemagne, nous avons besoin de ce feu. Les chrétiens allemands ont besoin de ce feu pour le monde qui se perd, pour les perdus. Et le Saint-Esprit est là pour faire cette œuvre. Alléluia. Alléluia. Allez partout le monde. Prêchez l'Évangile. Et je serai avec vous tous les jours. Quelle parole extraordinaire! Nous avons souvent l'impression de notre impuissance, totalement dépassée par les événements. La tâche est si grande, nous sommes si petits, la tâche est immense, nous nous sentons si insignifiants. Je voudrais vous dire ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. J'ai grandi dans le nord de l'Allemagne, là où l'Elbe arrive à la mer du Nord. C'était une région où vous voyez très fortement les marées. Lorsque c'était marée basse, lorsque l'eau partait, et là, les bateaux étaient pris dans le sable. Ils étaient là, ils reposaient sur le sable. Ces barques, ces bateaux étaient chargés de matériel, de matériaux divers pour la construction, 500 tonnes, 1000 tonnes. Et ils étaient là dans le sable, le limon, et ils attendaient l'eau. Et nous jouions autour de ces bateaux. Et alors que nos parents étaient irrités sur nous, et je pensais, aucune puissance ne peut remuer ces bateaux, ces barques complètement pris dans le sable et le limon, absorbés, fixés là-dedans. Mais voilà que c'était la marée haute qui arrivait. L'eau revenait. Et partout, ça commençait à avoir des... Il y avait ces bulles, ça travaillait. Une heure plus tard, j'avais 12 ans à l'époque, j'étais sur le rivage. Et avec mon pied, je donnais un coup et la barque se remuait. Bouger. Et là, j'ai appris quelque chose. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu, alors la marée arrive. La marée arrive. Ce qui est inamovible, ce qui ne bouge pas, va commencer à se mouvoir. L'impossible devient possible. Et ce qui est incurable devient curable. Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. Le Seigneur ne nous laisse pas tout seuls. Nous ne sommes pas appelés à lever des barques.
Nous ne sommes pas appelés à porter les fardeaux du monde. La marée arrive. La marée arrive. La marée vient. Mon souhait pour cette conférence, j'aimerais que tous vous ne rentriez pas à la maison, mais que vous nagiez sur le chemin du retour. Amen. Amen. Hallelujah. Nous servons un Seigneur puissant. L'ordre est clair. J'aimerais vous dire quelque chose sur l'équipement. Il n'y a qu'une chose qui doit se passer. Une chose pour que ce travail soit fait, c'est-à-dire l'évangélisation de l'Allemagne, de l'Europe, du monde, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. L'équipement vient par le baptême dans le Saint-Esprit. Certains disent que c'est l'onction. Ça va très bien. Mais en définitive, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste est celui qui en a parlé d'abord. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier les courroies de sa chaussure. C'est lui qui vous baptise de Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Jésus baptise, est le baptiseur du Saint-Esprit et de feu. Aujourd'hui, le mot baptême est devenu, fait partie du vocabulaire religieux. Dans l'Antiquité, le mot baptême était un terme technique qui expliquait le procédé de teinture. Il s'agissait donc de teindre un tissu. Lorsque le teinturier plongeait le tissu dans la couleur, alors on disait baptiser. Alors, ça veut dire le tissu est plongé dans la couleur. Et donc le tissu dans la couleur et la couleur dans le tissu. Le tissu prenait la couleur et les caractéristiques de la couleur. C'est ça qu'on appelait baptiser. Et c'est ici que Jean dit, je vous baptise dans l'eau du Jourdain. Il était dans le Jourdain. Il mettait son bras autour du candidat et il les plongeait dans l'eau. Yeah.
Et certains chrétiens alors disent c'est une affaire un peu froide. Mais Jean le Baptiste, écoutez bien, allait présenter un autre baptiseur. Celui qui vient après moi est plus fort et plus grand que moi. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et avec le feu. Alors, je sors de l'eau du Jourdain et de l'autre côté se trouve Jésus. Là se trouve le baptiseur qui baptise dans l'eau. Et là, ici se trouve le baptiseur dans le Saint-Esprit et avec feu. Jésus est dans un fleuve qui est composé de feu liquide. Et c'est lui qui va mettre son bras autour de toi. Et c'est lui qui te plonge dans le feu. Et la puissance du feu du Saint-Esprit. Toi dans le feu et le feu en toi. De telle manière que nous sommes rendus participants à sa nature. Sa nature me pénètre, son feu me pénètre. C'est pour cela que je suis un prédicateur plein de feu. Je n'ai encore jamais trouvé un feu qui est froid. Celui qui connaît le feu du Saint-Esprit, il va devenir, disons-le, chaud. C'est ainsi que les choses se sont passées le jour de Pentecôte, lorsque le feu est tombé. Et ils ont commencé à parler dans des langues comme le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ensuite est arrivée la première campagne d'évangélisation. La première prédication d'évangélisation, 3000 se sont convertis et ont été baptisés. Et disons gloire à Dieu parce que l'évangile a atteint Berlin depuis longtemps. Mais voici l'équipement. Voici l'équipement. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Et sont arrivées des langues de feu sur chacun d'eux. Et une flamme sur chacun. 120 personnes dans la chambre haute. 120. Quelqu'un dans le ciel a dû compter. Quelqu'un, quelque part dans le ciel, a dû compter les têtes. Et je suis persuadé que toutes les têtes présentes ici ont été comptées. Car Jésus a une flamme pour chaque tête. Chaque tête. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas de tête. Il y a des gens sans tête. Et il n'y a pas de flamme pour eux.
Si tu as une tête, alors Jésus a une flamme pour ta tête. Alléluia. Amen, amen. Es ist für dich und es ist für mich. C'est pour toi et pour moi. Es ist für den unwürdigsten, für den, der sich am unwürdigsten fühlt. C'est pour celui qui se sent le plus indigne. Heute Abend ist dein Abend. Ce soir, c'est ta soirée. An diesem Wochenende Evangelisten geboren werden. Que ce, en ce week-end naissent des évangélistes qui, sans crainte, vont annoncer l'Évangile. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen! 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 Amen. Jemand hat zu mir gesagt, Reinhard, warum schreist du so? Quelqu'un m'a dit, Reinhard, pourquoi est-ce que tu cries comme ça? Est-ce que tu ne peux pas te maîtriser un peu? Avoir. Il dit, mais tu n'as aucune idée, je me retiens tellement. Jésus est vivant. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus libère. Pourquoi sommes-nous tellement normal? Pourquoi sommes-nous si faibles, si insignifiants? Il est temps que nous puissions nous lever et élever nos voix. Ainsi dit le Seigneur. L'Europe doit être sauvée. L'Allemagne doit être sauvée. Alléluia. 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 J'aimerais encore aborder un point qui est très important pour moi. Parce que je vois ici un point faible. Est-ce que vous pouvez encore me consacrer 5 minutes? Oui. Avez-vous encore 5 minutes? Voilà. Alors, vous êtes vraiment comme un public fantastique, comme en Afrique. Pastor Bonke, les Africains me disent, Pasteur Bonke, le temps n'est pas un problème parce que les montres, c'est l'invention des Blancs. Voici donc le point faible. Oui, on dit, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. Je parle en langue, mais je ne sens pas la puissance. Je ne ressens pas la puissance. J'ai besoin d'une nouvelle onction. Alors, on y va. On va de conférence en conférence et de conférence en conférence. Nouvelle onction, nouvelle onction, nouvelle onction. C'est un malentendu total de la Bible, de l'Écriture. C'est totalement mal compris. J'aimerais vous dire pourquoi. J'aimerais vous donner un exemple. On va prendre un exemple parmi les meilleurs coureurs, les meilleurs sprinters, Carl Lewis vient me visite. Je lui donne un fauteuil agréable. Ma femme apporte le café et les gâteaux. Je lui donne une tasse de café. Et puis, voilà que Carl Lewis commence à manger les biscuits. Question. Glaubt ihr, dass der Carl Lewis da im Sessel seine Stärke fühlt?
Est-ce que vous croyez que Carl Lewis, assis dans son fauteuil, est-ce qu'il ressent sa force? Oui ou non? Non, bien sûr. Bien sûr que non. Il n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin de cette force pour boire le café. J'ai dit, Carl, j'ai entendu dire que tu es l'un des meilleurs sprinters du monde. Mais voilà, il ne fait pas plus que moi, il boit son café. Mais lorsque le pistolet qui donne le départ, le coup de départ du sprint du 100 mètres, alors il court. Je suis totalement fasciné. Alors, je me suis dit, mais j'aurais jamais pensé qu'il court si bien et qu'il boit aussi bien son café. J'aimerais vous dire pourquoi tant de chrétiens se sentent faibles. Ils sont assis sur de bonnes chaises dans leurs églises et ils écoutent une belle prédication après l'autre. Et ils ne savent pas le don que Dieu leur a donné. On n'a pas besoin d'une onction pour boire du café. On n'a pas besoin de force pour faire quelque chose qui n'a pas d'onction. Mais fais quelque chose où tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit, où tu as besoin de ce feu, et tu vas gagner la course. Tu vas gagner la course. Tu vas gagner la course. Alléluia! Un deuxième exemple. C'est juste une pensée comme ça qui m'est venue. Lorsqu'un sprinter commence à courir, il n'est pas en train de parler en permanence à ses poumons. Maintenant, j'ai besoin de plus d'oxygène. Est-ce que vous avez entendu, j'ai besoin d'oxygène, sinon je ne peux pas avancer si vite. Est-ce qu'il fait cela? Mais non. Plus il a besoin, plus il respire. C'est ainsi que vient l'onction du Saint-Esprit. Plus tu as besoin, plus t'arrives, plus l'onction arrive, plus et plus, toujours plus. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen ici? Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas nous casser la tête pour des choses qui ne sont pas nos affaires. Jésus dit, allez. Lorsque j'ai été ado, dans notre église, nous avons beaucoup parlé ensemble. Combien de dons du Saint-Esprit est-ce que tu as? Ah oui, moi j'en ai une. Très bien. Et toi? Moi j'en ai trois. Et toi? Oh, j'en ai pas. Mais attention, notre pasteur, il en a 9. Our pastor has all 9 gifts. Mais c'est des bêtises. Les dons du Saint-Esprit
sont des outils. The gifts of the Holy Spirit are tools. Und wenn Gott uns einen Auftrag gibt, et si Dieu nous donne un ordre, un commandement, et si nous avons besoin d'un marteau, il ne va pas nous donner une pince. Et si nous avons besoin d'un fer pour lever des charges, nous n'allons pas recevoir un tournevis. C'est lui qui nous donne les outils et nous parlons pour lui. Alors, il nous donne l'outil adapté au travail que nous devons accomplir. C'est lui qui fait le choix et c'est lui qui le fait. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Non, non. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas donnés comme les Oscars sont distribués. Pour des décorations que l'on porte pour bons et loyaux services. Non, ce sont des outils. Des outils. Ils viennent quand tu en as besoin. L'air arrive quand tu en as besoin. Alors, si tu te mets en route, tu vas sentir l'onction qui sera là. Et j'appelle ce soir les vieux et j'appelle les jeunes. Nous devons nous lever pour Dieu. Nous devons aller. Nous devons être des témoins. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner la bonne mesure pour chaque tâche. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Après Pentecôte, je ne lis nulle part dans la Bible que les disciples se sont retrouvés pour dire que c'était une belle réunion. Est-ce que nous ne devrions pas avoir une telle réunion tous les deux jours? Est-ce qu'ils ont dit ça, oui ou non? Est-ce qu'ils ont dit, Seigneur, plus, plus, plus? Non, non, non. Ils n'ont pas prié ainsi. J'ai lu autre chose. Je n'ai pas lu nulle part qu'ils sont retournés dans la chambre haute. Au verset 20, je lis, ils sont partis et le Seigneur est allé avec eux. Mets-toi en route pour Jésus et tu vivras Jésus comme jamais tu ne l'as vécu. Alléluia! Alléluia! Oh, Alléluia! Alléluia! Oui. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Non, nous ne recevons pas une nouvelle onction. Il y a des gens assis sur l'onction, comme si l'onction allait les quitter, s'envoler, s'évaporer. Non. Une fois que tu es trempé dans ce feu, toi dans le feu et le feu en toi. C'est
C'est le diable qui dit qu'on a tout le temps besoin d'une nouvelle onction parce qu'il sait que c'est ainsi qu'il paralyse le chrétien. Nous voulons nous lever pour Dieu et nous mettre en route pour Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Il y a tellement de jeunes ici et cela me réjouit. Et je pense à ma propre jeune vie. J'ai donné ma vie à Jésus alors que j'avais 9 ans. Et à l'âge de 10 ans, le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé de prêcher l'Évangile un jour en Afrique. C'était clair et net jusqu'à aujourd'hui. Mon père avait dans l'Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, une petite église. Peut-être était-ce la plus petite église en Allemagne. J'étais assis au deuxième rang. Et il y avait un prédicateur invité. Et je ne sais pas quel est son nom et je ne sais plus ce qu'il a prêché. J'étais un nul. J'étais nul. Mais un jour, mais à un moment donné, j'ai entendu que Dieu me parlait. Lorsque tu seras grand, Reinhard, tu prêcheras l'Évangile en Afrique. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru devant. Et j'ai embrassé mon père. J'ai dit, papa, Jésus m'a parlé. Et mon père me dit, mais Reinhard, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand je serai grand, je vais prêcher l'Évangile en Afrique. Vous savez ce que mon père a dit? Reinhard, c'est ton plus grand frère qui sera mon successeur. Que je suis content de cela, que je suis content de cela. C'est vrai, j'étais un zéro à moins que rien. Mon frère aîné était le meilleur en maths, et moi j'étais le moins bon. Mais entre-temps, j'ai appris que ce n'est pas les maths qui sauvent le monde. Ce n'est pas un avantage d'être bête. Alors j'aimerais vous dire, vous les jeunes, étudiez tout ce que vous pouvez. Apprenez le maximum. Mais pas au prix de perdre la flamme. Lorsque Jésus m'a appelé, j'ai déjà dit, j'ai couru vers mon père, mais j'ai fait autre chose. Je suis venu vers Jésus et j'étais près de lui. Et en une fois, j'ai eu la révélation de ma vie. Et lorsque j'ai vu Jésus à côté de moi, lui le numéro 1, moi le 0, nous sommes déjà 10. Ensemble, nous sommes 10. Est-ce qu'il y a quelque part encore ici un nul? Alors, si tu te mets à côté de moi, ça fait 100. Encore quelqu'un?
1000, 10 000, 100 000, 1 million. Jésus donne à chaque zéro une valeur. Chaque zéro a une valeur auprès de Jésus. Mir macht's nichts mal aus, die letzte Null zu sein, denn die letzte Null ist die wertvollste Null. Je ne veux, ça ne me fait rien d'être le dernier des zéros, parce que le dernier des zéros, c'est le plus grand nombre. C'est le qui a le plus de valeur. 10 millions, c'est quand même mieux que 10. Halleluja! Preis und Dank dem Herrn. Ich sag euch allen, jung oder alt. J'aimerais vous dire, jeune ou vieux, Jésus est là pour vous baptiser dans le Saint-Esprit. Toi dans le feu et le feu en toi. Et tu sortiras tout comme moi je l'ai fait. Et ça, ce que je dis, je ne le dis pas pour m'enorgueillir, je le dis à la gloire de Dieu. Est-ce que vous me permettez de dire cela? Dites quelque chose, alors c'est bon. Dans les trois dernières années et demie, plus de 43 millions de personnes sont venues assister à mes cultes. Et environ 26 millions se sont décidés pour Jésus et ont rempli une carte de décision. C'est le Seigneur. Le Nigeria me donne la foi pour l'Allemagne. Nigeria gibt mir Glauben für Europa. Le Nigeria me donne la foi pour l'Europe. Halleluja! 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 Ich hatte heute Morgen ein Interview mit der Bild-Zeitung. Ce matin, j'avais une interview avec le journal Bild. Vous savez, ce fameux, c'est un journal de boulevard, donc le sang coule. De ce magazine. C'est un slogan. Mais la journaliste me disait, mais j'ai entendu dire qu'en Afrique, vous brûlez les objets occultes, mais en Allemagne, il n'y a pas tout ça. Alors je lui ai dit, je n'ai besoin que d'ouvrir votre journal et je vois déjà l'horoscope. Lorsque Jésus arrive, la puissance de Satan est brisée. Lorsque la marée monte, tu vas rentrer chez toi en nageant. Tu vas nager dans cette marée, dans cette puissance du Saint-Esprit, dans ce fleuve. Non pas pour sombrer encore dans le fauteuil. Et alors, on s'étonne lorsqu'on entend des concerts d'orgue de ne pas sentir l'onction. Jésus est là. Jésus est là. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Il baptise dans le Saint-Esprit. Ici, il y est un courant de feu liquide. Jésus est là. Et il veut te plonger là. Tu ne seras plus jamais le même. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu a besoin de toi et pourquoi Dieu n'a pas besoin de moi?
Et il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu t'utilise-t-il? Pourquoi est-ce qu'il ne m'utilise pas moi? Lorsque tu as deux fours ou deux fourneaux à la maison, l'un est froid et l'autre est chaud, quel four vas-tu choisir si tu veux te faire un café? Le feu de Dieu doit être dans ton fourneau, dans ton four. Alors, tu n'auras plus besoin de supplier Dieu de t'utiliser. Il va t'utiliser automatiquement. Amen. 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 Jésus, tu es là. Le fleuve de ton feu est ici. C'est toi, celui qui baptise. Tu donnes l'onction, maintenant même. Qui est ici et qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit et tu voudrais tellement recevoir le baptême du Saint-Esprit avec ces langues de feu, alors lève simplement ta main. Levez votre main là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez juste faire un signe que je puisse voir? Alors, je vous invite maintenant, venez rapidement. Venez rapidement. Approchez-vous. Approchez-vous. Je vous invite tous à vous lever. C'est lui qui vous baptise de feu. Approchez-vous vite, approchez-vous. Merci Seigneur. Approchez-vous encore. Approchez-vous, ajoutez-vous aux autres personnes. Jésus connaît toutes choses. Personne n'est trop jeune, personne n'est trop vieux. Oh, Halleluja, 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 Halleluja. Jesus ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. Jésus baptise de feu et du Saint-Esprit. C'est pas moi. Je suis quelqu'un qui reçoit tout comme toi. Jésus va mettre ton feu, envoyer ton feu sur toi. Comme on l'a vécu dans les Actes des Apôtres, alors tu le vivras aussi ici ce soir. Alors, maintenant, les serviteurs de Dieu vont se déplacer parmi vous et nous voulons vous imposer les mains, mais Jésus va mettre le feu, son feu sur votre tête. Jésus le fera. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. J'ai pas besoin de donner de grandes explications. Vous savez de quoi il s'agit.
Nous voulons fermer nos yeux. Nous voulons lever nos mains. Et nous voulons lever notre voix, élever notre voix. Et nous voulons le louer, peu importe de quelle manière, soit avec Alléluia ou peu importe. Et nous voulons le louer, l'adorer. Et le feu de Dieu va descendre sur nous. Jésus est présent. C'est lui qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Et nous voulons dire Alléluia et élever notre voix tous ensemble. Tous ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, fais descendre ton feu sur chaque homme et sur chaque femme. Maintenant, au nom de Jésus, sur chaque garçon, sur chaque fille. Maintenant, que le feu de ton amour et de ta puissance descende. Seigneur, pose ta main propre sur chacun. Et ils commençaient à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Au nom de Jésus, reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Que les serviteurs encore, les serviteurs puissent prier pour ces bien-aimés qui se sont approchés.